Il est déjà là ? Hey les copains ! Coucou les gens ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mime au métier. On est avec Herman et Romance. Pardon, en fait, on est avec Roman et Hermance. Tout de suite, on commence avec Roman. Un poney. Non. Du coup, du papier. Tu fais des activités manuelles. C'est coiffeur ? Oui. Le coiffeur doit accueillir les clients, écouter et analyser sa demande, conseiller ses clients en fonction de la forme de leur visage, choisir une coupe et des soins appropriés aux cheveux du client, laver les cheveux, appliquer un soin. Le métier coiffeur est classé numéro 428 parmi les métiers qui recrutent le plus en France. Les qualités. Il faut avoir le sens du contact, être habile de ses mains, la précision, la patience, le sens de l'esthétique, être disponible et la bonne présentation. La formation. Les CAP de métier de la coiffure, durée de formation 2 ans. Les CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Sont des diplômes professionnels qui se préparent en 2 ans après la 3e, à temps plein ou en apprentissage, dont moitié dans une école, moitié chez coiffeur. Très bien, merci Roman. Maintenant c'est au tour d'Hermance. Professeur ? Oui. Le professeur des écoles enseigne plusieurs matières. Français, mathématiques, histoire géo, éducation sportive. Il est responsable de la sécurité physique des élèves pendant les heures de cours. Les qualités, une grande autonomie de travail, un sens de la psychologie, de l'écoute et du dialogue, savoir faire preuve de souplesse, de fermeté et d'autorité. La formation, pour devenir professeur des écoles, il faut réussir le CRPE, concours de recrutement de professeurs des écoles, organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Ce concours est ouvert aux étudiants qui ont eu une licence 3 ans après le bac et un master de 2 ans de plus. Thank you, Hermance. You're welcome. Donc c'est la fin de notre émission. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un big pouce bleu et à partager la vidéo. Goodbye. Goodbye. Au revoir, les amis.